حبز زفدم زين ولا شوي ضبرن في الليل جحبز زفدم زين ولا شوي ضبرن في الليل ديت مورا غر وغنم حالا موجين بلا الوالي ديت مورا غر وغنم حالا موجين بلا الوالي Je suis Fouzia Poukrone. Aujourd'hui, j'ai 73 ans, je suis née un 26 octobre 1944 à Cuba. Je suis allée à l'école communale de Cuba. J'étais une très bonne élève, apparemment. Mais il y avait toujours les premières de la classe, puisque j'en ai fait plein de classes. Et les premières de la classe, j'étais toujours ex aequo avec elles, et ça, c'était... C'était un crime de lèse-majesté. J'ai jamais voulu accepter ça. J'ai jamais voulu accepter qu'on me prenne ma place parce que j'étais une Algérienne, tout simplement, et que la première de la classe, à qui elle avait tous les honneurs, il fallait qu'elle soit française, quoi. Voilà. Donc ça m'est resté. Hein. Ça, c'est une petite revanche, quelque part. Mais c'était mes amis aussi, mes copines aussi. Hein. Alors, j'allais chez elles. Ils nous invitaient quand il y avait des anniversaires et moi je ne comprenais pas pourquoi on faisait les anniversaires. Chose qu'on ne faisait pas chez nous. Moi j'avais fêté mon anniversaire. Jamais, s'en foutent mes parents, fêter un anniversaire, ça ne venait pas à l'esprit. On ne m'a jamais acheté une poupée par exemple. Et moi j'adorais les poupées, alors j'ai un ami celle-là, celle qui m'invitait beaucoup, elle s'appelait André. Elle nous invitait, même la communion, on allait dans les communions, on allait à l'église. Ma mère ne nous a jamais empêchés, elle m'a dit toujours, tu peux y aller où tu veux, Dieu est partout. Tu peux, c'est pas un problème, hein. C'est pas un problème, même le curé, tu peux lui serrer la main. Ma mère était très tolérante, elle avait étudié le Coran, donc pour elle était... Pour moi, c'est une bonne musulmane, hein. Très très bonne musulmane, très très tolérante, elle m'a jamais dit, pourquoi tu vas à l'église, haram, etc. Non. Tu sais, moi j'étais jeune à l'époque et je peux te parler peut-être de ce souvenir d'enfance parce que même, tu peux peut-être oublier ton repas d'hier, mais les souvenirs d'enfance restent. On sentait juste cette différence peut-être à l'école, où quand même nous étions de très très bonnes élèves, certaines parmi nous, parce qu'il y avait l'école des filles, l'école des garçons, on n'était pas mieux que ça à cette époque, et beaucoup beaucoup parmi nous étaient très très bonnes élèves, mais... On était toujours ex aequo avec d'autres. Et les autres, c'est des Françaises. Il ne fallait pas qu'il y en ait une qui émerge du lot, quoi. Et qu'elle soit algérienne, ce n'était pas normal, voilà. Et pourtant, parmi nos enseignants, beaucoup étaient progressistes, et beaucoup étaient communistes, et beaucoup étaient avec nous. Combien de fois on les charriait parce qu'on chantait la Marseillaise, et à la fin, on disait que ce qu'on chante. Et elle a dit, qui c'est qui dit ça? Qu'est-ce que vous dites? Alors bien sûr, nous, plein de courage, mais c'est nous, madame. C'était une façon à nous de dire, voilà, nous savons ce qui se passe, on est jeunes, mais on a compris, c'était la révolution, il y avait un but, voilà. On ne connaissait pas les tenants et les aboutissants, mais ça, on le savait déjà, très jeune, hein, très très jeune. Il y avait une dame, une excellente institutrice. Un jour, elle nous a pris en aparté, comme ça, elle nous a dit « Arrêtez de faire ça. Moi, je suis pour votre évolution. Je peux vous aider, je peux vous expliquer. Mais arrêtez, ça va vous porter préjudice. Continuez à faire vos travaux, continuez à faire des études, parce qu'un jour, nous partirons et c'est vous qui prendrez le relais. » Et ça nous l'a toujours bien expliqué, que tôt ou tard, c'est nous qui prendrons en main les choses. Comment? Bon, à cette époque, on n'avait pas encore cette conscience qu'on allait peut-être être les futurs cadres de cette nation algérienne qui n'était pas encore née, mais en voie de naître. Et ça, elle nous l'avait expliqué, elle était merveilleuse, on avait compris, on n'avait plus recommencé d'ailleurs. Et on avait très très bon, commencé à travailler très bien. Même chez les garçons, il paraît qu'il y avait aussi des instituteurs qui étaient très très progressistes et
Ils faisaient partie, ils étaient inscrits au Parti communiste surtout. Voilà. Parce que les enfants ont participé à cette révolution. Par exemple, les Sirars. Si, on en parle, mais une fois tous les... On les appelait les Yaouled. Alors, c'est le Sirar, il avait ils ont eu cette capacité de comprendre tout de suite ce qui se passait. Surtout à la Casbah, la bataille d'Alger. Quand on dit la bataille d'Alger, je ne parle pas du film, mais la vraie bataille d'Alger, eh ben les Sirars ont joué un rôle capital. Parce que lorsqu'il y avait des attentats, bon, il y avait des femmes, il y avait les marchands de légumes, des choses comme ça, pour cacher les armes dans les couffins et tout. Mais le Sirar, aussi, il avait sa boîte de cirage. Il avait toujours le fond de ça dans sa boîte en bois, quoi, clouté. Et là, il cachait son arme, parce que le résistant, je peux appeler ça comme ça, mais le résistant, parce que nous, on appelait Moudjahed, ou disons le résistant, le combattant. Quand il faisait un attentat, il avait son revolver, ou sa mitraille, enfin, surtout le revolver, il le donnait. Il le donnait au petit Sirar, il le cachait. Hein. Bon, après, il le retrouve, hein, parce qu'il se connaissait finalement. Il se connaissait de vue. Mais personne ne dit Adak Flynn, il s'appelle Gansi. Les gens avaient tous des doubles noms, des surnoms, pour pas que, c'est au cas où ils se faisaient attraper et torturer, qu'ils ne se donnaient pas les uns des autres. Alors, ce qui fait que, c'est pour ça qu'il y a très peu d'archives. Très, très peu d'archives écrites, etc. Parce que tous ceux qui avaient en main des ordres, de la documentation et tout, faisaient tout pour détruire. Parce qu'ils avaient peur de cacher chez eux. Donc ils se relayaient. S'ils arrivent à remettre, moi je te remets, après toi tu remets à l'autre. Et puis il y avait cet acheminement, hein, le plus naturellement possible. Mais on ne gardait rien. Et finalement, ce document, il disparaissait. Et en parlant des enfants, non seulement les Sirars, mais il y avait d'autres enfants. Par exemple, je me rappelle le février 57, il y a eu la grève des 8 jours, décrétée par le Front de Libération Nationale, à cette époque-là qu'il avait encore de la valeur, bien sûr, à nos yeux. Et donc, tout était fermé. Donc les magasins, les épiceries, etc. Et tout. Et à l'époque, il y avait des boulangeries. Mais ça me permet de rendre encore un hommage à ce boulanger extraordinaire qui était espagnol, qui s'est sauvé de la guerre civile en Espagne. Et après, je l'ai su, moi je ne savais pas. Nous, on l'aimait beaucoup parce qu'il habitait juste la maison mitoyenne de chez nous. Il avait une boulangerie, donc il y avait le fourni et tout. Et le matin, la greffe, eh ben, il m'appelait. Avec mon petit frère, il m'appelait, il me donnait des miches de pain. Enfin, c'est pas, il n'y avait pas de pain comme maintenant, hein. C'est des grosses miches de pain, comme le pain de campagne qu'on fait en France, donc des grosses miches comme ça, sont longues comme ça, puis avec la circonférence comme ça. Et avec le couffin, on mettait 3-4 miches, hein, miches, et je distribuais. Et moi, quand même, j'étais blonde, tu vois, un peu et tout ça, puis les anglaises partout, les brumants partout. Donc je passais inaperçu, enfin presque inaperçu, parce qu'avant il y avait quand même la caserne, hein, il y avait des casernes, surtout celles où il y avait les parachutistes, c'était des gens pas fréquentables du tout. Donc, mais non, ils ne me disaient jamais rien, mais moi je distribuais ce pain et je faisais 4-5 navettes avec mon frère. Je ne restais pas seulement dans le Coubain, je descendais jusqu'au ruisseau à pied. 57, alors j'avais 13 ans. Cuba, c'est la rue Mazzelli, et il y avait donc ce boulanger magnifique, il s'appelait Monsieur Fixa. C'est un monsieur magnifique, et ce pain qu'il a donné pendant, je sais pas, moi j'ai fait ça pendant presque 8 jours, hein. Ce pain, il l'a donné gratuitement. Il n'a jamais demandé de l'argent pour ça, jamais. Il l'a donné, puis c'était sa façon à lui de contribuer à cette révolution qui, à ses yeux, était légitime et lui, il voulait cette indépendance pour l'Algérie. Et je suis après qu'il était très, très progressiste et qu'il avait beaucoup travaillé avec le FLN et qu'il avait caché beaucoup, beaucoup de combattants dans son fourni. Il avait la boulangerie, puis derrière, donc il préparait le pain, il pétrissait et tout ça. Donc je levais
Il dormait pas, ce monsieur, il dormait jamais. Il faisait le pain. Et dans le fournil, il avait caché plein de moudjahidines à cette époque. Ouais. Non, j'étais consciente de ce qui se passait, hein, parce que c'est moi qui lisais le journal à ma mère. Et ma mère ne lisait pas le journal, elle lisait en arabe. Comprenait. Mais elle comprenait tout. Moi, je lisais et elle comprenait. Elle ne savait pas lire, mais elle comprenait le français. Elle m'a dit, oh là là, mais alors, dans cette allure, il n'y aura plus personne, il n'y aura plus d'Algériens. Tous les jours, il tue mille fait la gamme. Des fois, il disait, vous allez, on a acheté l'Écho d'Alger. C'était l'Écho d'Alger, c'était l'Écho d'Alger. C'est ma mémoire quand encore bonne, à mon âge. Et je lui ai dit, tu lis, et moi, je comprends. Je lui lisais le journal. Un jour, elle m'a fait cette réflexion. À cette allure, il n'y aurait plus personne. Il n'y aurait plus un seul Algérien. S'ils continuent à nous tuer tous les jours, il n'y aurait plus un seul Algérien. Mais je tellement, ils mentent. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils mentent comme ça? Ma mère était révolutionnaire. Hein, je l'ai su après. Je l'ai su après parce qu'elle collectait... Elle collectait des médicaments, elle cachait des armes. Et on avait des banquettes comme ça, il y avait du vide, il y avait un fond. Oui, c'est ça, le fond des canapés, elle mettait les armes là-dedans, et puis de temps en temps, quand il y avait des gens qui venaient, ils récupéraient, quoi. Mais bien sûr, ça, un jour j'ai vu, voilà. Le 11 décembre, il y a un brouhaha terrible, les youyous, dans la rue. Une chose qu'on n'entend pas, les youyous. Puis à l'époque, les youyous, ça ne se faisait pas. On ne faisait pas des youyous, parce qu'on était en révolution. On était en guerre, on n'avait pas le droit d'être heureux, d'être joyeux, entre guillemets. Parce que les youyous, c'est joyeux, ça, c'est fête, c'est voilà. Donc il n'y avait pas de youyou. Même quand il y avait une fête, il n'y avait pas de youyou. Il y avait des youyous, sauf si on entend quelqu'un est décédé, il est mort en martyr, là on entend des youyous, par exemple. C'est un truc qui me revient comme ça. Et j'entends un brouhaha terrible, et je vais dans le balcon, et je vois arriver cette ruée de femmes, d'hommes, surtout des jeunes. Et juste au premier rang, je vois mon frère. Mon frère qui est plus âgé que moi, de 3 ans, c'est tout. Je vois mon frère, et puis avec les drapeaux, ils avaient tous des drapeaux qu'ils agitaient comme ça, des drapeaux algériens, bien sûr. Et puis d'autres pancartes, enfin des bouts de... des chiffons blancs. Pour d'étoiles blanches comme ça, il est écrit en arabe et surtout en français. L'Algérie algérienne, voilà, c'est tout. Et des youyou et l'Algérie algérienne. Hein, wow. Je vois ça, c'est extraordinaire, quoi. Bon, moi, je veux sortir. Mais je me dis, mon Dieu, je vais tomber, etc. Mais ça, c'est très rapide, ça. On ne prend pas le temps de réfléchir. C'est j'y vais et c'est tout de suite, c'est instantanément j'y vais. Je vais dans le placard, je vais dans l'armoire, je prends une espèce de jean à mon frère que j'ai vu. Je le porte, je mets un cordon parce qu'il ne me va pas du tout, il me tombe, on n'a pas la même taille bien sûr. Je rebrousse les trucs, j'avais des espèces de sandales, même pas. Des trucs qu'on appelait ça des savates à l'époque, parce qu'il faisait beau en plus ce jour-là, hein. Comme aujourd'hui, il faisait très très beau, c'est le soir qu'il a plu, je me rappelle, parce qu'on avait manifesté, on n'avait eu ni froid, ni eu la pluie, ni rien du tout, ça je me rappelle comme aujourd'hui, et je suis sortie, j'ai continué, et puis bon, c'est-à-dire au départ il y avait un petit convoi, disons, et après les gens sortaient de partout et ils venaient vers cette masse qui descendait, qui marchait, qui criait, qui scandait des slogans, et les gens sortaient de chez eux, des grands, des petits, des vieux, les femmes avec leur haïk, beaucoup, c'était tous en haïk, il n'y avait pas de, il y a très peu, les femmes d'un certain âge, elles n'étaient pas tête nue, hein. Il n'y avait que nous, parce que nous, nous étions des enfants. On n'était pas encore ni voilés, ni rien. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, on a cette vague humaine
Et puis bon, on est pris dans la foule, hein, comme disait Edith Piaf. On est pris dans la foule et je me retrouve au ravin de la femme sauvage. Et quand je lève les yeux, je vois un torrent qui descend. C'est des êtres humains. C'est des gens qui descendent à pied. Mais on a l'impression que c'est un fleuve qui va vous tomber dessus parce qu'on est en bas. Et eux, ils sont bien en haut, le ravin de la femme sauvage. C'est là où on monte à Riyad el-Fetch, je ne sais pas si tu connais, là où il y a le matin du Shahid. Et bien, c'est là, donc c'était une côte, hein, c'était une côte, et elle était pleine de gens, avec plein de drapeaux, des trucs comme ça, et les gens descendaient pour qu'on se retrouve tous. Et puis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient, ils prenaient la rue pour aller vers Bellecour. Pour aller vers Bellecour, le champ de manœuvre, etc., jusqu'à la place des martyrs. Bien sûr, on se faisait tabasser avant, hein. Ça c'est clair. Hein. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, ils essayaient de nous séparer. Bon, après, on a. Surtout le ravin de la femme sauvage, il y avait des chars. Ils étaient là depuis longtemps. Hein. Il y avait des chars, ils commençaient à diriger le canon vers nous. Ils commençaient à faire manœuvrer. Là, on a eu peur, on a eu très peur. Mais comme il y avait des chemins de traverse, surtout ruisseaux, il y a plein de chemins de traverse qui, si on les prend, on atterrit à Cuba. Donc c'est des petites montées, des petits sentiers, voilà. Et c'est comme ça que j'ai manifesté en 11 décembre, ma première manifestation pour l'Algérie libre et indépendante. Quand je vois le résultat aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, mais bon, il ne faut pas regretter, je ne vais pas regretter. Par contre, le 11 décembre 61, ils ont tiré sur nous. Là, ils ont tiré, oui, oui. Là, ils ont tiré. Il y a eu beaucoup de morts et de blessés, oui. Parce qu'on est ressorti le 11 décembre 61. On a refait le même truc. Là, on était plus préparés. Il y avait une belle préparation. C'était très réfléchi. Le FLN avait donné des consignes strictes. Les drapeaux étaient plus beaux, mieux préparés. Les femmes aussi. Donc, oui, oui, oui. Et puis, bon, il nous avait demandé de prendre de l'eau et du vinaigre parce qu'il y avait des bombes lacrymogènes, on ne savait pas ce que c'était. Donc déjà, on était au courant qu'ils allaient nous bombarder. On avait tous notre petite bouteille de vinaigre, voilà, par exemple. Hein. Et des mouchoirs, des choses comme ça, pas en papier, mais des mouchoirs, des chiffons, des... Oui, oui, ça, oui. Des blessés, moi, j'en ai pas vu beaucoup. Il paraît qu'il y en a eu, parce que nous, on est remontés, on a eu très, très peur. On ne voulait pas aller jusqu'à Bellecour. Puis moi, je craignais le pire parce que bon, c'est la première fois où je fais une désobéissance parentale. Donc, il ne fallait pas que j'aille trop loin aussi. Et c'est bien, j'ai manifesté, mais il fallait quand même que je rentre. Et ma mère allait s'inquiéter, puis mon père peut-être, il ne va pas être content, et des choses comme ça. Je suis une fille, partir toute seule, à l'époque, ça ne se fait pas. Donc, il fallait que je rentre. Mais je sais qu'il y a eu des blessés. Par contre, la solidarité, c'était les gens, ils te sortaient du pain, ils te donnaient du pain, ils te donnaient de boire, voilà, des choses comme ça. Oui, 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 beaucoup de solidarité, oui, oui. Pendant la période de l'OS, il y avait plein de centres clandestins parce que beaucoup, on avait très très peur d'aller dans les hôpitaux parce que dans les hôpitaux, beaucoup beaucoup de combattants et de blessés ont été achevés. Non, mais je sais que mon frère il a été blessé par l'OAS. On a tout fait pour le sortir et il y avait beaucoup, on se relayait tous avec ses copains et tout pour le garder parce qu'on avait peur qu'il vienne le tuer à la maison. Et on allait avec mon autre frère pour ramasser les blessés, des choses comme ça. Oui, oui, il y avait des caves dans des immeubles, des cités, comme par exemple la cité Jolie Vue. C'était une nouvelle cité, il y avait plein de caves qui étaient vides et tout. Elles ont tous été récupérées par les jeunes, mais personne ne... Bon, ils savaient, les gens, beaucoup de gens ne savaient pas qu'il y avait des blessés là pour qu'on nous soignait. Oui, 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 beaucoup, beaucoup. Oui, oui. Il y a une belle prise en charge, pour ça, oui, oui, ça existait. De toute façon, les centres de soins, ça existait partout. Hein. La Casbah, il y en avait plein. Hein. Moi, j'en ai jamais vu parce que j'y allais pas, mais je sais qu'il y en avait. Ben, c'est une petite goutte
une petite goutte d'eau douce dans un océan de mer, ben, je pense que c'est la goutte, hein, c'est tout. Parce qu'il y a une goutte avec plusieurs gouttes, ben, ça fait des rivières. Hein. Et moi, avec tous les autres, eh ben, ça fait une belle ruée vers quelque chose, hein, vers un idéal, vers... Ben oui, c'est important. Parce que si moi, je ne suis pas sortie manifester, mais c'est instantané, je l'ai fait ça sans réfléchir. Sans... Bien sûr, je savais pourquoi, hein, bien sûr, hein, ça, je savais pourquoi. Parce que je savais lire et écrire et j'écoutais la radio et tout ça. Mais j'ai pas réfléchi, il fallait que je le fasse. Comme tout le monde, quoi. C'est comme tout le monde. Mes compatriotes étaient dehors, ils demandaient quelque chose, ils revendiquaient quelque chose que moi, j'étais concernée. Donc, oui, il fallait le faire. Et les autres, ils l'ont fait aussi. Donc l'un dans l'autre, c'est dans le pluriel. Plus on est nombreux, plus on s'amuse, quoi, comme on dit. Parce qu'on était nombreux et qu'il y avait des manifestations partout, que l'Europe a eu vent. C'est tout. Si on n'était pas nombreux, les Nations Unies n'auraient jamais rien su. Mais parce qu'il y a eu des photographes, il y a eu des images, et tout ça, ça a été rapporté. Donc ils ont vu ces images de jeunes, de vieilles, de monsieur, de vieillards, des Algériens, tous les Algériens étaient concernés. Voilà. Oui, le héros, c'est le peuple, c'est vrai. C'est des consignes du FLN, ça. Et ils écrivaient partout comme les graffitis aux États-Unis, où les jeunes, maintenant, ils font des graffitis partout pour revendiquer leur nouvelle idée de la vie, de la liberté, voilà, c'est tout. Je crois que c'est la première fois qu'on voit des graffitis dans les murs, et c'est beau comme graffiti. Le peuple, c'est nous tous, c'est le héros, c'est plus heureux, c'est pas là sur son cheval qui attaque les Indiens, c'est nous, c'est le peuple, et ça n'a pas de prix. C'est le premier graffiti en Algérie, c'est des premiers graffitis, hein, ça c'est clair. Il n'y avait pas que ça, il y avait même des graffitis en arabe. Moi que j'étais incapable de lire d'ailleurs, il y avait beaucoup beaucoup de graffitis en arabe. D'écriture, moi j'appelle ça des graffitis parce qu'on l'appelle ça comme ça. Mais attends, c'est devenu de l'art de la rue, et c'est magnifique. Aujourd'hui, les artistes s'expriment dans la rue. Et heureusement que l'art est descendu dans la rue. Il n'est plus dans les galeries, chez les messieurs et mesdames, bon chic, bon genre. Maintenant, l'art est accessible à tous, et ça c'est magnifique. La culture est accessible à tous parce qu'elle est dans la rue. Tu dors et puis tu te lèves et puis tu vois ta mère, elle a l'oreille collée au poste radio pour écouter une certaine émission qui s'appelle Sawt al-Arab. Et Sawt al-Arab donnait des informations du front. Et qu'il y a eu tel combattant qui est mort, tel combat, on a mené tel combat, telle région, on a réussi, on n'a pas réussi, on a eu des morts, on a eu des blessés. Mais ça, il y a eu quelque chose qui se passait quand même. Et ça, moi, je le savais. Et à 13 ans, j'ai compris pourquoi. Peut-être aussi, il y a cette facilité de comprendre, parce qu'il y avait la langue aussi. Parce que quand tu as la langue, tu parles français, tu écris, tu lis en français. À 13 ans, moi, je lisais parfaitement bien. Donc, quand je lis Sartre et je lis Beauvoir déjà, et je lis leur position, ben, je comprends ce qui se passe. Donc j'ai déjà une prise de conscience. Je pense qu'il y a eu cette prise de conscience chez moi, chez mon frère et les autres, et mes cousins, et toute la famille, quoi. Et surtout particulièrement chez ma mère, elle était très, très nationaliste, elle nous parlait de l'Algérie qui serait indépendante, et pourtant... Elle n'est pas montée au maquis, hein, mon air. Hein. Donc je crois que c'est ça aussi. Il y a aussi cette... si on peut accéder à une espèce de culture, si on peut comprendre et tout,
Si, on peut faire ce choix. Et là, les jeunes d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils fassent le choix. Aujourd'hui, s'ils devaient faire le choix, ils voudraient que la mer Méditerranée, il n'y a plus de mer, et puis qu'ils pourront traverser, aller en Europe à pied, puis comme ça, ils seront plus libres. Pourquoi ils veulent partir? Ils veulent partir parce que c'est la liberté, encore une fois. C'est un vent de liberté. Quand on est jeune, on a envie d'être libre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas. Ils le sont, mais ils le sont peut-être moins bien que de ce qu'ils voient à travers les images qu'ils reçoivent par la parabole. Mais ils ne prennent pas conscience que rien n'est acquis, qu'il faut payer avant et après, que c'est jamais sûr de l'avoir, quoi. Et que la liberté, il faut d'abord payer. Il faut pas, ça se donne pas sur un plateau d'argent, il faut lutter. Il faut lutter, qu'on soit une femme, un jeune, il faut lutter. Si on travaille pas, si on étudie pas, si on milite pas, c'est tous les jours, la lutte est quotidienne. Et nous, on s'est pas arrêté, nous les femmes. Jusqu'à aujourd'hui. Et le combat, il est... Moi, j'ai 74 ans. Je ne me suis jamais arrêtée. Parce que le combat, il ne s'est pas arrêté en 62. C'est là où il a commencé. On s'est dit, mon Dieu, on est sortis d'un marasme extraordinaire. Et puis nous, les femmes, on a commencé à être libres, on a commencé à travailler. Il y avait les filles qui ont étudié, elles avaient... commençaient à conduire, elles avaient leur voiture, la société commençait à comprendre que la femme avait un rôle très très important dans la société, qu'elle était le pilier d'une nation, et c'est elle l'éducatrice, c'est elle la mère, c'est elle la protectrice, c'est elle l'épouse, c'est elle... Et après, on vient et on te dit non, et tu n'es même pas la moitié d'un homme, et tu n'as pas le droit... T'as pas ton mot à dire. Et pourtant, avant, les femmes sont montées au maquis, elles ont pris des armes, elles ont été déposeuses de bombes et tout. Elles n'ont demandé l'avis de personne. Moi, quand je suis sortie manifester que j'avais 13 ans, je n'ai demandé à personne. Je n'ai pas dit à ma mère, voilà, je vais sortir. J'ai mis mon pantalon et je suis sortie. C'est après, elle m'a dit pourquoi et tout. Et j'ai expliqué, elle m'a dit, ça a bien fait. Parce qu'elle avait compris que c'était nécessaire et c'était une nécessité. Tu vois? Et après, on vient, on te dit, oh non, tu n'as pas beaucoup de droits, etc. et tout. Il a fallu se battre, on s'est battu, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne nous ont pas fait des bébés dans le dos. Ils ont même pas respecté leur propre mère. Ben oui, le code de la famille, il a été voté en 1984 en catimini, dans la nuit. Parce qu'on avait, contre le projet, on est sortis, on a manifesté encore une fois contre le projet. C'était un projet. Une première fois, ils l'avaient caché, puis une deuxième fois, ils nous ont rien dit. Et puis la troisième fois était bonne. Le lendemain matin, ils nous ont dit, ben ça y est, le code de la famille, il a été approuvé par le FLN. Et puis voilà, on est devenus des demi-femmes, des trois quarts de rien du tout. Du jour au lendemain, on fait abstraction de plus de la moitié de la population, de la moitié de ce peuple. Qui, elle travaille, elle travaille, elle cotise, elle soigne, c'est une mère avant tout, c'est une maman, c'est une épouse, c'est une sœur, c'est une mère, c'est tout, c'est fou ça. Donc c'est des hommes qui ont fait ça, et c'est des hommes qui soi-disant avaient lutté pour sortir la barbarie de ce pays. La barbarie, c'est devenu... Elle a changé de camp, après. Peut-être c'est pour ça aussi que les jeunes, aujourd'hui, veulent partir. Il faut les comprendre. Ils ont envie de ce vent de liberté. Ils ont envie d'aller d'un point à un autre sans demander la permission de qui que ce soit. Tout simplement. Aujourd'hui, un jeune n'a pas le droit d'aller en Europe faire les vendanges, aller dans une auberge de jeunesse, connaître d'autres filles, s'amuser, danser, pourquoi pas boire un coup, je sais pas, vivre. Ils n'ont pas le droit. On leur demande juste, tu dois étudier. Tu n'es pas policier, ben tu deviens un imam de la mosquée. Non, il a le droit d'être autre chose. Il y a des jeunes, il y a des brillants, il y a des jeunes médecins.
Je parle des filles et des garçons. Hein. Vous allez, tu vas dans le, au tribunal, quand tu rentres dans tous les tribunaux, il n'y a que des femmes. L'enseignement, que ce soit général ou l'enseignement scientifique, 90% de ce personnel était des femmes. Le personnel médical, c'est des femmes aujourd'hui, c'est beaucoup plus de femmes. Tu ne peux pas t'imaginer le nombre de femmes qui travaillent. Les postes et les communications, c'est des femmes. Mais elles sont brimées, Bon, heureusement qu'on a le même salaire que les hommes. Les hommes jamais pu toucher. Et encore. Et encore, je ne suis pas très sûre. Mais bon, disons que bon, je leur fais confiance pour ça. C'est terrible. Alors aujourd'hui, les jeunes, il a envie de sortir avec une copine, il ne peut pas. Vous savez que des fois, il y a la chasse au couple chez nous. Un garçon, il est dans la rue avec sa copine, s'il la prend par la main, le policier peut l'interpeller et l'emmener devant un commissariat et appeler son père et sa mère pour lui dire « Votre fils est une dévergondée, je l'ai trouvé bras-dessus avec un jeune homme. » Et le père, il dit bah, « C'est son fiancé, hein, oui, le problème. » Oui, mais ils sont pas mariés, mais ils ont le droit de se tenir par la main. On a vu beaucoup de scandales comme ça. On a surpris un jeune homme avec une jeune fille en train de flirter sur la plage, un truc comme ça, au bord de la mer. Oui, le problème. Ils ont porté atteinte à personne. Ils ont ni volé, ni tué, ni... Ils n'ont pas décapité quelqu'un. C'est ça. On pardonne un terroriste qui a décapité des jeunes soldats, mais on ne pardonne pas un coup parce qu'ils se sont embrassés. Allez, voilà, on les embarque, etc. Et la fille, alors, le traumatisme, on l'emmène chez le médecin légiste, il la voit, elle est vierge, elle n'est plus vierge. Après, on convoque ses parents, et ma foi, ils l'ont trouvé avec ce garçon, et bien, le juge, il n'a pas fait mieux que de demander, ben, tu vas l'épouser tout de suite parce que tu t'es avec elle. De quoi? De quel droit il fait ça? Elle a le droit de sortir avec un garçon. Et lui, il a le droit d'avoir une copine, non? Et comment je vais les appeler? Il y a des adjectifs comme ça qui se perdent. Les gens qui nous gouvernent, ils pensent que notre jeunesse est asexuée. Que nous, notre jeunesse n'est pas touchée. Elle est touchée. Le sida, c'est maintenant qu'on en parle. Et encore, heureusement, c'est maintenant qu'on arrive à en parler dans les radios et tout ça, avec l'ONU-SIDA qui quand même a fait un travail merveilleux, et les associations qui ont porté cette voix de... Mais avant, on n'avait pas le droit de parler d'éphémère. Autant de beaux médecins, on ne parlait pas d'éphémère. Ils disaient qu'on n'avait pas d'éphémère chez nous, et pourtant, on en avait. On avait des enfants abandonnés dans les institutions. Jamais il y a eu ce travail en disant quand même ces enfants, on doit les prendre en charge, on doit les aimer, on doit... Non, c'était une honte, il fallait les cacher. Tout est honteux chez nous, il faut tout cacher. L'amour, c'est une honte chez nous. Les jeunes de maintenant, ils ne mettent qu'à aimer. Hein. L'amour dans sa plus grande dimension. Hein. L'amour de l'art, l'amour de l'autre, l'amour de l'amitié, l'amour des fleurs, l'amour de l'écologie, je sais pas, de la nature, l'amour de Dieu. Voilà. Non. L'amour est banni dans ce pays. On ne parle pas d'amour. C'est déjà très bien qu'il passe encore quelques chansons d'amour dans les radios. Et probablement, ils vont bientôt l'interdire. Ils sont capables. C'est ça qui est terrible. Après, on se demande pourquoi les jeunes, ils veulent tous partir. Bien sûr, ils veulent partir, c'est pas pour être millionnaire. Ils veulent vivre leur vie. Ils veulent être libres. Libres de faire ce qu'ils veulent. S'asseoir sur un banc sans que personne ne vienne lui dire « Qu'est-ce que tu fais dans ce banc? Pourquoi tu es là ?» Et bien, calme. Et ça, c'est important, je trouve. Parce que la liberté n'a pas de prix. Bon, c'est l'effet boule de neige, hein, finalement. Quand tu vois que les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes n'ont pas peur, ils sont là dehors à crier, à tue-tête, à qui veut les entendre, qu'ils ont envie de liberté, qu'ils ont envie qu'on leur rende leur pays,
qu'ils ont envie de plus de dignité, qu'on a envie de leur dire ils ont une personnalité, c'est des Algériens, c'est pas des moins de que rien, c'est pas des indigènes, ce sont des êtres humains à part entière. Mais je pense que là c'est fait bout de lait, il n'y a pas la peur, elle n'existe pas la peur, on n'a pas eu peur, jamais j'ai eu peur, avec les chars qui pointaient leur truc sur nous. J'ai pas eu peur, vraiment. J'ai eu peur pendant le terrorisme, beaucoup plus. Franchement. J'avais peur pour ma vie, j'avais peur pour mes enfants, j'avais peur pour mon mari, beaucoup plus à ces temps. Parce qu'il y avait. Avant, on connaissait notre ennemi. Mais pendant cette période, on connaissait pas notre ennemi. Il pouvait être notre meilleur ami. Il venait vous pointer son poignard dans le dos. Même pas dans le dos, il vous tuez directement. Et pourtant, c'est votre meilleur ami, juste parce qu'il est devenu, soi-disant, plus musulman que vous. C'est tout. Et c'est toute la différence. C'est toute la différence. Ils ne se rendent pas compte, ils ont beau vouloir partir, jamais, au grand jamais, ils ne trouveront un pays comme le leur. C'est leur pays. Ils doivent se battre pour le récupérer. Il y a des hommes et des femmes qui sont morts dans ce pays. Et j'ai ordonné leur sang, leurs enfants. Comment on peut ne pas aimer ce pays? Regarde ce ciel bleu. Moi, je ne peux pas vivre ailleurs que dans ce pays. Pendant la période de terrorisme, combien de fois on m'a dit « Pourquoi tu restes ?» Mais je ne peux pas. C'est mon pays. Il faut se battre. Il faut continuer à se... Pourquoi nous, on continue à nous battre malgré tout? Pourquoi eux, ils laissent tomber comme ça? Ils doivent se battre parce qu'il est à eux, ce pays. Et l'avenir leur appartient. Demain, ils seront des médecins, ils seront des chercheurs. Seulement, il faut qu'ils se battent pour changer les choses. Et c'est maintenant. Nous, s'il n'y avait pas 22 personnes qui ont décrété qu'ils avaient fait une révolution avec ou sans peuple, on n'aurait jamais eu l'indépendance, ni la France était une puissance internationale. Mais elle était puissante, la France. Mais nous, les gens qui ont commencé à faire la révolution, ils n'avaient rien. C'était presque un cercle des vanipiés. Ils avaient beaucoup se sont fait amputer les jambes, les pieds, parce qu'ils marchaient dans la neige et ils n'avaient même pas de godasses. Mais n'empêche, ils ne sont pas arrêtés de marcher. Ils ont continué. Et c'est ce qu'il faut faire. Ma patrie, c'est l'Algérie. C'est la terre de mes ancêtres. Et je vais me battre. Je vais me battre pour changer les choses. Pour que tous ces vieux croulants qui partent et qui laissent un peu les jeunes respirer et qui prennent leur destin en main. Et on peut se tromper, c'est pas mieux. Eux, ils ne sont pas trompés, ils ont fait que des conneries. Ils continuent à en faire encore. Et bien, laissons les jeunes se tromper, mais je suis sûre qu'ils arriveront quand même à faire quelque chose de ce pays. En tous les cas, ils resteront ici, ils ne partiront pas ailleurs. Ils ne partiront pas ailleurs. Grossir encore tous ces camps de réfugiés, quand je les vois, ça me fait mal au cœur. Pourquoi partir? Alors que le pays, ici, les trottoirs de l'Algérie, on enlève les carrelages, et on plante la pomme de terre, elle pousse. Elle pousse! Personne ne meurt de faim dans ce pays, personne! C'est pas la Somalie chez nous, c'est pas l'Éthiopie, c'est l'Algérie, mon Dieu! Et l'Algérie, regarde, c'est vert! Regarde un peu, tu sors un peu, tu vois la campagne et tout. S'ils retroussaient juste un peu leurs manches ici, et si au moins ils réfléchissaient. Et puis il y en a marre. Se réunir 5 fois par jour, aller à la mosquée, il n'y a pas que ça dans la vie. Laissez Dieu tranquille un peu. Allah l'adem. Mais Dieu, c'est bien de prier, on prie tous Dieu. Mais que le hadjaf est terra. Et le bon Dieu, le matin, celui qui appelle à la prière, il dit... Allahu Akbar, hayya al-salat, hayya al-falah. Al-falah, c'est le travail. Il n'a pas dit atuqdu. Et ne réfléchissez pas, c'est moi qui réfléchis pour vous. Non. Ici, en haut, ceux qui nous gouvernent, ils disent, tranquille, allez à la mosquée, faites votre prière. Nous, on passe pour vous. On travaille pour vous. On fait tout pour vous. Non. Il faut que nous, on fasse pour nous. Et on fasse pour notre pays. Pour nos enfants. Pour nous, les enfants de nos enfants. Et ça, c'est très important. Et c'est ça l'amour de la patrie.